Salut les amis, comment allez-vous? Moi je vais très bien, j'espère que vous aussi. Je vais vous faire découvrir encore un peu de la pétanque parce que sur mon ancienne chaîne que je fais aussi de la pétanque. Et là je vais vous faire aussi faire de la pétanque. Hein. Et je vais vous faire venir une personne qui s'est abonnée au début que j'avais rappelé parce qu'on se parlait un peu hors à côté sur Messenger et je vais l'appeler Prunny. Ma plus grande abonnée et qui s'est abonnée sur ma chaîne dès que je lui ai dit j'avais refait une nouvelle chaîne. Voilà. Et ouais. Et on va y apprendre à faire de la pétanque. Moi c'est Prunny. Alors, on va faire un petit exercice. Déjà, fais le pointé. On va lancer le cochonnet, oui. Alors, le cochonnet, on l'appelle aussi le biberon. Un peu. Va te mettre au prochain. Et oui, parce que il peut aussi apprendre à une personne qui est en phase. Étant caraman. Hein. Alors, Tony, je vais mettre. Je vais savoir comment il faut lancer au début. Comme ça. Bon, ça, la première boule, elle est un peu mauvaise. On va essayer déjà de 15% de batterie. Ah, mais c'est pas grave. Et on va recombler. Et plus haut. T'as vu que sur les deux distances, bah, essaye de combler ici. À peu près ici. Là c'est trop haut. Essaye de l'amener. Vers ici. Bon, essaye par, par là. Voilà, bon, c'était vers là, mais elle a lancé la boule là. Elle a fait le point. Hein. Maintenant, on va faire un exercice de tir. Alors, je vais mettre mes boules. Ici. On va les laisser là, qui sont laissés péter. On va faire voir, c'est un peu différent. À peu près à 6 mètres. À peu près. Voilà. Bon, voilà, j'ai touché deux boules sur trois, c'est déjà pas mal. Maintenant, on va mettre mes boules. Elles sont pas lourdes, les chaînes. Regarde, par rapport à les mêmes. Ouais, quand tu prends du léger. J'aurais dû prendre du léger. Essaye de faire trois carreaux. Va te le mettre. Attends, tu fais à l'abonné. Ton bras. 4%. Bon, c'était une débutante. Et à la prochaine vidéo. Bye!